Bonjour et bon dimanche à tous. À la une de ce journal magazine, les célébrités dans la ville-province Kinshasa, il faut des mesures répressives pour imposer aux Kinois les changements qu'il faut. Les détails à suivre dans un dossier des Bobette et Yenga. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans ce journal magazine. Tout d'abord, la partie actualité. Financement des infrastructures en République démocratique du Congo, la SICOMINE réitère son engagement à la Première ministre. L'amendement obtenu dans les rééquilibrages du contrat sino-congolais donne l'avantage aux sommes allouées aux investissements en République démocratique du Congo. Judith Souminoua a également avec l'Union européenne un reportage de Jemima Mogo pour Umba, Joe Patrick Koukou. Le programme d'action du gouvernement aligne plusieurs réformes pour booster le développement du pays. L'Union européenne tient à accompagner les différentes réformes proposées par la Première ministre dans le programme d'action de son gouvernement en vue de favoriser le gouvernement des affaires et d'attirer plus d'investissements privés européens en RDC, a fait savoir Rita Larangina, directrice générale européenne pour l'action extérieure. Chef de délégation. Nous avons eu l'honneur avec les ambassadeurs de l'Union européenne ici présents d'avoir cette rencontre avec Madame la Première ministre pour la féliciter pour le programme de réforme et annoncé par son gouvernement. Et nous sommes venus lui dire que c'est exactement dans cet esprit que tous les pays de l'Union européenne, ici présents, veulent s'engager avec le nouveau gouvernement de la RDC. Au sujet de la trêve humanitaire dans l'est de la RDC, initiée par le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, l'Union européenne accorde un soutien total à cette mesure. Nous avons très clairement exprimé à Madame la Première ministre notre préoccupation pour la situation, notre expression très claire de l'importance de la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC, notre préoccupation pour la situation humanitaire. Avec le groupe des entreprises chinoises actionnaires majoritaires de la SICOMINE, ce dernier a rassuré la chef du gouvernement de veiller sur la qualité des infrastructures à réaliser en RDC. Les efforts menés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour obtenir l'amendement de ce contrat ont permis de rétablir l'équilibre dans ce partenariat pour le rendre gagnant-gagnant entre les deux parties. Parmi les points d'accord figure la révision à la hausse du montant d'investissement pour les infrastructures de 3,2 à 7 milliards de dollars américains, ce qui représente la construction de plus ou moins 5000 km de route selon les experts. Désormais, la SICOMINE va mener les actions selon les recommandations du FMI. Au nombre de ces directives, l'intégration des clauses de l'avenant et la publication du plan budgétaire trimestriel, c'est l'option levée au terme d'une réunion tenue par le ministre des Finances avec la SICOMINE. Sylvie Moembo et Ibrahim Chako ont signé ce reportage. Ministère du Budget, la Banque Centrale du Congo et autres entités reçoivent des orientations pour le bon pilotage, coordination et suivi du programme sino-congolais. Le Fonds monétaire international tient à la traçabilité des fonds mis à la disposition de ce programme. C'est aussi ce à quoi s'emploie Doudou Fouambali Koundé Libotaï, le ministre des Finances, qui a donné des instructions claires au comité de pilotage, notamment sur les exigences du Fonds monétaire international. Dans le cadre de notre mission de pilotage, de coordination et de suivi du programme sino-congolais, il se fait qu'une mission du Fonds monétaire international a donné des orientations pour la traçabilité des fonds du programme sino-congolais dont nous assurons le suivi et la coordination. Il fallait donc que nous puissions venir au niveau du ministère, entendre les exigences du Fonds monétaire international qui nous ont été communiquées et puis participer à la réflexion pour voir dans quelle mesure cet argent qui est une recette de la République peut être retracée dans la chaîne. Les différentes entités se remettent au travail pour la réussite de leur mission. Le programme sino-congolais consiste à la construction des infrastructures d'intérêt général de qualité pour le grand bonheur du peuple congolais.
Certaines avenues de la capitale se sont transformées en lacs artificiels pas propres, empêchant la circulation aisée des personnes et de leurs biens. Coup de projecteur sur l'avenue Kalembelembe dans la commune de Lingwala. Un reportage de Bobette Eyenga et Papi Mbongo. C'est un lac de circonstances qui s'est créé sur cette avenue Kalembelembe, à quelques pas de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe et du rond-point Willeri. L'eau stagnante détruit la chaussée et amplifie l'insalubrité. La population lance un cri d'alarme. C'est le célèbre Manzengele de Kalembelembe. Cette route est à la base de l'amortissement des véhicules. D'ailleurs, j'en suis victime avec ma voiture. Le mécanicien m'a recommandé de ne plus fréquenter cette avenue. Nous payons nos vignettes. La situation est critique pour cette avenue Kalembelembe, depuis Assanef jusqu'au Beaumarchais. Que les décideurs interviennent, cette avenue est détériorée depuis Ngobila. Nous demandons à notre nouveau gouverneur, Daniel Bumba, d'intervenir. Cette situation est un cas de figure de l'état crasseux dans lequel baigne la ville de Kinshasa. L'insalubrité a atteint son paroxysme. Aucune commune n'est épargnée. En pleine saison sèche, la poussière et la saleté font bon ménage. Pourtant, cette saison peut être mise à profit pour exécuter les travaux inachevés. Une mission d'inspection à la RN26, tronçon ici Roacha, dans les Hauts-Ouélé. Le vice-gouverneur est allé faire les constats avant de lancer les travaux de réhabilitation de cette route. Un reportage de Damas et Soleke Solekaya. La route nationale numéro 26, Isiro-Ouacha, dans le Haut-Ouélé, ne laisse actuellement aucune chance aux usagers de circuler librement. Le vice-gouverneur Christophe Daramatata, à la tête d'une forte délégation dépêchée sur le tronçon par le gouverneur Jean-Bakolo Gambo, inspecter cette route, s'en est rendu à l'évidence lorsque son cortège se coince plusieurs fois dans de gros bourbiers, même à des heures tardives de la nuit. Pas de temps à perdre, la riposte est attendue sans délai. Nous sommes venus nous-mêmes, on a constaté les cas, nous rentrons, nous aménagerons aucun effort pour que tout soit rétabli dans un bref délai. Un autre calvaire pour les usagers de cette route, c'est l'effondrement de deux ponts, Bomokandi et Kibali, dont la traversée depuis plusieurs mois n'est assurée que par des embarcations de fortune assorties d'un bilan macabre de noyades. Une situation dramatique que le gouvernement provincial voudrait voir s'arrêter le plus vite. Nous constatons sur le marché, les paniers ménagers de la communauté semblent être basculés vers la hausse du prix. Depuis que ce PAI a écroulé, nous en sommes convaincus que dans deux mois, comme dit l'ingénieur, le prix sera déjà disponible et à notre portée. Nous, comme gouvernement provincial, nous allons faire le plaidoyer auprès du gouvernement central pour un appui afin que ce travail avance dans les délais requis. Signalons que de Gumbari à Durba, en passant par Moukou et Ouacha Centre, le vice-gouverneur et sa suite ont fait l'objet d'un accueil digne. Et profitant de son passage, Daramatata Christophe préside une réunion du conseil local de sécurité avant de visiter tour à tour le nouveau bâtiment administratif du territoire issu du PDL 145T et la prison moderne financée par le gouvernement provincial. Charles Bofasa Djema, ancien acteur politique congolais, a été mis en terre le jeudi 18 juillet 2024. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, lui a rendu les derniers hommages de précision dans cette sélection. Comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres a tenu sa réunion hebdomadaire. La sixième session ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a été présidée le vendredi 19 juillet à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. La situation sécuritaire dans l'est du territoire national et des questions relevant des domaines socio-économiques notamment étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion de l'exécutif national.
Bofasa Diema, une des figures emblématiques de la scène politique en RDC, singulièrement dans le Grand Équateur, n'est plus. Il est décédé le 22 juin 2024 à l'âge de 78 ans. Toujours proche de sa population, dans les meilleurs comme dans les pires moments, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé se joindre à la famille biologique et à l'assistance composée de plusieurs autres personnalités amies et connaissances de l'illustre disparu pour rendre le dernier hommage à Bofasa Diema sur le lieu funéraire au musée national du boulevard Triomphal. Très ému, le chef de l'État s'est incliné devant le corps du défunt avant de réconforter les membres de la famille éplorée. Feu Charles Bofasa Diema a été plusieurs fois nommé ministre de 1991 à 1995. Il était aussi député national et mandataire public. La mort est survenue pendant qu'il était membre du conseil d'administration du cadastre minier et président de son parti politique Génération Républicaine. Jadis membre de la plateforme Cap pour le changement, Bofasa Diema a battu campagne dans le Grand Équateur lors de la présidentielle de 2018, remportée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et quelques membres du gouvernement de la République ont assisté à cette cérémonie funéraire. Sur la dégradation de certaines routes de la capitale, les échanges entre le président de l'Assemblée nationale et les sénateurs américains en visite à Kinshasa et puis la mission sécuritaire du vice-premier ministre de l'Intérieur dans l'Est sont là quelques sujets qui ont marqué la semaine. Fifi Mokundi. En mission sécuritaire dans le Nord Kivu au cours de la semaine qui s'achève, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a recueilli les informations afin de constituer un rapport à transmettre à l'autorité. Abou Tembo et à Goma, le patron de la sécurité, a échangé avec les forces vives. Il a par ailleurs tenu des réunions du conseil de sécurité. Pendant ce temps, le président de l'Assemblée nationale a réitéré la position de la République démocratique du Congo relative à l'agression ougando-rwandaise auprès des sénateurs américains en visite à Kinshasa. Pour le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement, la RDC exige le retrait du Rwanda et de l'Ouganda dans les sols congolais avant d'envisager toute solution paisible. Cependant, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a séjourné dans la province du Kwango et du Kwilu. Question de s'enquérir de la situation sécuritaire dominée par la résurgence de la milice Mobondo et conflit Tekeyaka. En début de semaine, le ministre d'État en charge de la justice a palpé du doigt les conditions carcérales dans la prison de Luzumu dans le Congo central. Occasion pour les détenus de soumettre les doléances en rapport avec leur dossier judiciaire. À Kinshasa, une vingtaine de bandits urbains appelés Kubuna, arrêtés au camp lieutenant Kokolo, ces derniers ont été appréhendés avec des armes de guerre, des munitions et des stupéfiants. Ce, au terme du bouclage de la commission mixte état-major du renseignement du bataillon Kijé et du commandement du camp Kokolo. À la primature, le gouvernement a décidé de limiter les dépenses en priorisant le plus essentiel. Il va également éponger les liquidités excédentaires du côté de la Banque centrale afin de stabiliser les francs congolais et de protéger le pouvoir d'achat. Des mesures annoncées à l'issue de la réunion des conjonctures économiques tenue le jeudi. Dans le secteur des transports, les discussions autour de la perspective de la redevance logistique terrestre, taxe devant permettre la modernisation des ports et des chemins de fer a eu lieu. C'était au cours de la réunion entre les vice-premiers ministres, ministres des transports et voies des communications et les banques commerciales ainsi que les sociétés congolaises bénéficiaires de cette taxe. Au chapitre des infrastructures, on note la dégradation de la route Mokali dans la partie ouest de Kinshasa. Situation similaire constatée sur l'avenue Bongolo au centre de la capitale. Par contre, dans la province de Lomami, c'est le coup d'envoi des travaux de la réhabilitation de l'avenue Mobutu dans les territoires de Tanganyika. Les travaux sont exécutés par des routes sous le financement du FONER, Fonds d'entretien routier.
enfin la cité de Yangambi dans les territoires d'Isangi dans la province de la Tchopo est désormais éclairée à travers la centrale de cogénération de l'énergie verte. C'est l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC qui a procédé à la mise en service de cet outil avant sa remise au directeur général de l'INERA Yangambi. L'insalubrité à Kinshasa, on en parle encore dans ce dossier de Bobo Teyenga. Quelques Kinois pensent qu'il faut des mesures répressives pour imposer aux Kinois les changements qu'il faut. Par exemple, savoir qu'on ne jette pas la saleté ou les déchets dans la rue, mais plutôt dans la poubelle. Les défis sont énormes donc pour le nouveau gouverneur de la ville. Précision dans ce dossier. Kinshasa peine à renouveler son visage malgré la succession de gouverneurs à l'hôtel de ville. Avec plus de 7 millions d'habitants, la capitale produit près de 10 000 tonnes de déchets par jour. Malheureusement, la plupart de ces immondices sont jetés dans la nature. Ce sont là des décharges publiques à ciel ouvert, hors normes, qui se multiplient vers la ville. C'est un défi majeur à relever à tous. Bon, là, on n'aura pas la tâche facile parce qu'il a trouvé Kinshasa dans un état de saleté hyper avancé. Je crois ses propres toilettes, comme on a les images, ont montré réellement l'état d'état de Kinshasa. Le problème de la ville de Kinshasa, c'est les plans directs. L'assainissement de la commune d'Ndjili est le combat principal du bourgmestre et pour éviter des maladies saisonnières, le chef de cette municipalité a participé aux travaux pour rendre propre sa commune. Un reportage signé Chimène Dondo. Les travaux d'assainissement doivent s'accompagner d'une dose de pédagogie pour assurer une certaine régularité. C'est la nouvelle approche de l'autorité municipale de la commune d'Ndjili, Papi Bumbangaliema, qui compte faire de Ndjili un modèle dans la lutte contre l'insalubrité. Ces derniers a supervisé lui-même l'opération d'assainissement de sa municipalité. Dans le registre sécurité, le bourgmestre a conduit comme d'ordinaire la réunion du conseil de sécurité communal élargi au chef de quartier où il a été question d'évaluer la température sécuritaire. Ces derniers temps, il y a eu plusieurs cas d'insécurité, il y a eu des incursions, il y a eu la résurgence du phénomène Kuluna. Alors il était de bon aloi, moi étant autorité municipale, de réunir l'instrument du travail que l'État a mis à ma disposition, qui est le service de sécurité, pour leur donner de nouvelles orientations et les instructions à mettre en place pour que notre population vive dans la quiétude. Et au-delà de l'aspect sécuritaire, nous avons aussi évoqué la situation de l'assainissement. Donc, à un certain moment, nous avons senti un relâchement auprès de la population d'Iloise et nous avons réuni tous les services de sécurité pour que les services de sécurité puissent accompagner cette instruction et pousser les gens à exécuter l'assainissement chaque samedi avant 11h. Il en ressort de mesures drastiques pour traquer le Kuluna, d'où qu'il vienne, en responsabilisant le commandant des Siats et sous-Siats appelés à assurer la sécurité des administrés. Le projet d'appui au secteur agricole passe à NK, financé par FIDA dans le Nord Kivu pour la culture du café et du maïs, est arrivé à son terme. Après évaluation, 2 ans supplémentaires ont été accordés à ce projet jusqu'en 2025. Regardez. 2 ans de plus pourront être accordés au projet d'appui au secteur agricole Nord Kivu, passe à NK, afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs, notamment l'extension de la culture du café et du riz dans le territoire de Walikale et la réhabilitation des infrastructures dans les zones rurales. La demande de cette prolongation a été annoncée par Valentine Achancho, directeur pays FIDA, qui intervenait en distance, et confirmée par Wali Diouf, chargé des programmes FIDA. Le gouvernement vient de soumettre au bailleur une demande de prolongation du projet de 2 ans qui est en étude au niveau de chez nous. Et je crois que je reste positif que ça aura une issue heureuse et ça permettra au projet de rattraper le temps perdu par rapport à la mise en œuvre des activités liées aux infrastructures. C'était au début des travaux de la mission de supervision du mois de juillet auquel prennent place les membres du gouvernement central et de la province du Nord Kivu intervenant dans le domaine de l'agriculture, ceux de l'unité de coordination du projet
et les délégués des organisations paysannes. Le projet PASA est en phase finale. Et malgré les différents défis, les résultats seront atteints. Le projet a défini déjà un calendrier d'exécution de surtout les infrastructures, que ce soit post-récolte ou l'infrastructure de piste rurale. Avec l'allure que nous avons, il est possible de réaliser au moins 60% d'ici la fin de l'année 2025. Le calendrier est très serré. Et les parties prenantes, notamment les bénéficiaires, les partenaires de mise en œuvre du projet et les services impliqués, discutent sur les thématiques afin de ressortir les recommandations qui formeront la ligne de conduite du projet. Les parlementaires, les acteurs de la société civile et les partenaires techniques et financiers fédèrent leurs forces pour faire avancer l'agenda genre et la promotion des droits des femmes et filles en RDC. Le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale a encouragé le choix d'une femme comme première ministre. Reportage. C'est une matinée d'échange entre les parlementaires, acteurs de la société civile, les partenaires techniques et financiers, dont les ambassadeurs d'Allemagne et de Norvège, placés sous les thèmes agenda genre, droits des femmes et filles en RDC, défis, opportunités et perspectives. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer la collaboration en vue de l'avancement des droits des femmes et jeunes filles pour l'égalité des genres entre la société civile, les partenaires techniques et financiers et les parlementaires à travers le bureau et le réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée nationale. À l'ouverture de ces assises, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo Inamizi, a salué les progrès significatifs en matière de représentation féminine dans l'espace décisionnel au terme des élections du 20 décembre 2023 avec 43% de représentativité des femmes au sein du bureau de l'Assemblée nationale, 12,4% au niveau de l'hémicycle et 15%. Nous avons tous salué la nomination de la première femme première ministre, Son Excellence Madame Judith Suminwa Tunuka, et son premier gouvernement, qui a sensiblement vu l'augmentation remarquable des femmes, soit 31% des postes accordés aux femmes dans ce nouveau gouvernement, contre 28% dans le précédent gouvernement. Il est donc crucial de poursuivre des réformes institutionnelles pour progresser vers la parité 50-50 dans l'espace tant politique, économique, culturel que social, suivant les prescrits de l'article 14 de la Constitution. Clôturant ces assises, Jacques Joly, rapporteur de l'Assemblée nationale et représentant du président du bureau de l'Assemblée nationale, s'est félicité de la tenue de ces assises sur les genres. À l'issue de ces échanges, une note de plaidoyer des femmes de la société civile, la création d'un cadre de concertation pour l'harmonisation du cadre légal en vue de l'avancée des droits des femmes et filles en RDC a été remise au rapporteur Jacques Joly. Ces assises ont connu la participation des unités de l'armée et de la police interne. Intéressé par la question. Et puis, la province de la Mongala a besoin des initiatives et actions fortes pour son décollage. Le gouverneur de cette province a réuni autour de lui les sénateurs et députés nationaux de la Mongala pour étudier ensemble les possibilités de travailler en synergie en vue d'un avenir meilleur. Suivez. Jean-Colin Makaka, qui vient d'être confirmé au poste de gouverneur de la province de la Mongala, était face aux députés nationaux et sénateurs élus de sa province pour présenter sa vision claire et ses ambitions socio-économiques à la tête de cette province. Au cours de cette séance de travail, le chef de l'exécutif provincial de la Mongala a sollicité l'implication du caucus des sénateurs et députés nationaux pour la matérialisation de sa vision. J'avais décidé avant de commencer le travail de pouvoir préalablement rencontrer les élus légitimes nationaux originaires de la Mongala afin de leur partager ma petite vision et de recueillir leurs conseils et orientations pourvu que le travail que je compte réaliser dans la province soit un travail de cohésion, un travail de progrès. Le second message, c'est de leur inviter à bien vouloir participer dans les activités qui sont proposées dans la province de la Mongala, notamment une messe œcuménique et une conférence interprovinciale où nous allons discuter sur les enjeux, comment faire développer la province de la Mongala. Le président du caucus des députés et sénateurs de la Mongala réagit en ces termes. Notre gouverneur qui a sollicité notre main forte pour un nouveau décollage de notre province.
À l'issue de cette réunion stratégique, les parlementaires élus de la province de la Mongala ont retenu qu'il y a nécessité d'accompagner le leadership du gouverneur Jean-Colin Makaka, c'est-à-dire arrêter ensemble des stratégies devant permettre le développement de la Mongala ainsi que l'épanouissement de sa population. Rien ne pourra arrêter la détermination des forces vives du Haut-Katanga à soutenir les FARDC. Vision Fachi Rénové a organisé une marche de soutien aux forces armées face à l'agression rwandaise. Une marche qui a vu une marée humaine envahir les artères de la ville de Lubumbashi. C'est de Kenena reportage. Chacune de ces apparitions dans la ville de Lubumbashi, les fonds du décor, a été toujours, alors toujours, une marée humaine impressionnante. Kalimbouyi, président national de la Vision Fachi Rénovée, a encore une fois de plus soulevé les masses, cause nationale face à l'agression rwandaise. Chant patriotique, danse, cris de colère, les émotions augmentées au fur et à mesure que le groupe prenait de l'épaisseur. L'heure est à la mobilisation, loin de la distraction des sirènes, des traîtres, qui veulent l'effondrement de l'État-nation dans ses bases les plus solides, devant une foule plus qu'agitée. Vision Fachi Rénovée, gardienne des valeurs, reste vigilant et va continuer à porter la vision du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, pour un Congo pacifié. La procession n'a pas manqué dans cette effervescence d'appeler la population du Haut-Katanga au soutien des actions du gouverneur Jacques Kabula Katwe, qui continue l'œuvre de développement qu'il a entamée dans son premier mandat. L'église catholique d'Issiro, dont les Haut-Touélé pleure son évêque, Mgr Julien Andavo. Après une semaine de veillée, les rituels de son inhumation ont eu lieu le samedi 20 juillet 2024 en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus d'Issiro. Nathalie Mboulakabia, reportage. Décédé le dimanche 14 juillet courant à Durba, la dépouille mortelle de l'évêque Julien Andavo Mbia du diocèse d'Issiro Niangara, rapatrié dans son fief le vendredi 19 dans un aéroport plein de chrétiens, emporté par la tristesse, a été mise en sa dernière demeure le samedi 20 juillet 2024 dans la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, où il a totalisé 21 ans de vie épiscopale. Le rituel catholique de son inhumation s'est déroulé à l'issue d'une eucharistie présidé par Mgr Dieudonné Madrapile Tanzi du diocèse d'Issangui dans la province de la Tchopo et désigné auparavant par le Saint-Père comme administrateur apostolique. À ses côtés, les évêques venus de la plupart des diocèses catholiques de la Grande Orientale. Une messe d'action de grâce qui a vu plusieurs personnalités, tant laïques ecclésiastique s'est succédé à la chaire pour rendre à l'illustre disparu des hommages dignes des services qu'il a rendus non seulement à l'église mais aussi à la communauté. Mgr Dieudonné Madrapile Tanzi. Son Excellence Mgr Julien Andavo Mbia, homme de Dieu, était un modèle de rigueur, passionné, perfection dans tout ce qu'il voulait et ce qu'il faisait. Il était également simple, sobre, ordonné. Le gouverneur du Haut-Touélé, Jean Bakomi Togambo, lui également, témoigne de la grandeur du quatrième évêque congolais d'Issiro Niangara. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, me charge de vous assurer de sa profonde compassion et de son accompagnement pendant cette heure. Signalons que Mgr Julien Andavo Mbia rentre dans la maison de son père à l'âge de 74 ans. Fin de ce journal de Fifi Mokundi et de Yolande Voka. Premier rendez-vous avec Joël Makela à 19h. Entre-temps, restez branchés sur nos antennes.